What the fuck, les gars? Il se fait hacker le serveur. On a des codes de skill. Parce que s'ils font comme avec Arconia, ils vont te mettre un rat sur le skill. Déconnectez-vous du TF de skill. Du TF, je suis pas sûr. Mais sur le serveur, on peut rester pas. What the fuck? Ouais, mais là c'est fini. C'est fini pour le serveur. Non, en vrai, ici. Oh! Serveur fermé. What? Skill PVP, ils ont plus qu'une seule option, c'est payer les hackers pour pouvoir rouvrir le serveur quand c'est fini. Non! Merde, non! Ils vont faire que ça. Attends, je vais voir Discord. RIP, Skill PVP hacké de 2016 à 2016, de 2017 à 2017. Le serveur a duré 2 semaines, c'était bien, bisous. C'est où? Ouais, les gars, on se reprend. Donc, je suis avec mon ami Bytrack. En fait, comme vous avez vu en dernière séquence, il y a eu un hack. Donc on a ouvert des random ore, on a eu des skill bags qui nous ont donné 2 skill bags et 2 skill clés. Mais moi j'ai acheté une skill clé à 4000$ sur le marché, donc je trouvais que c'était un bon prix. Et là avec Bytrack on va essayer de les ouvrir en espérant qu'on est chanceux et qu'on peut ouvrir quelque chose de bien. Parce que j'ai quand même perdu un full space, j'avais réussi à faire un deuxième full space en fait. Avec un plastron en métier, j'avais réussi, c'est un don qu'on m'avait donné. Et la personne l'avait eu sur un gars, donc là vu qu'il y a un rollback de genre 7 heures, ils nous ont seulement donné 2 skill clés, je trouve ça un peu dommage, mais bon, espérons qu'on gagne quelque chose de bien. Bon, 8 émeraudes, ça commence bien. 24 random, ouais. 28 blocs d'XP et 2 tickets de téléportation. En fait, on s'est fait bien niquer avec ce putain de hack de merde. Super, j'ai donc message Enzo. Vraiment. Vite fait. T'as eu quoi toi? 8 random or et 4 titacites. Ouais, si toi ça va, moi j'ai eu de l'émeraude, ouais. Des tickets de téléportation Warzone et 16 bugs d'expérience. Waouh! Ah ouais, c'est chaud. Super les gars! Quoi. En fait, si on est dans le lobby, on peut acheter un grade? Ouais. Et non. 23. Oh là là. Mais je pense que tu dois te découvrir. On se reprend les gars pour un compte de un lot de Aglatiens qui veut nous donner de l'obsidienne. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pas full 1, mon copain. Malheureusement. Ah super, je crois que j'en ai assez de place. Oui, j'ai assez de place. Merci beaucoup pour ton don d'obsidienne, mon ami. Ça fait super plaisir. Tu veux prendre un screen? On fait un screen. Allez, on screen ensemble. Message, voilà les gars. TP don, TP toi. Je vais le TP à moi parce que j'ai pas envie de mourir. J'ai quand même un peu beaucoup de stuff sur moi, mes très chers copains de l'internet. J'ai pas envie de crever avec tout ça. Vous comprendrez très bien. Ce soir live, oui, je vais faire un live. J'ai un petit truc de prévu, mais dès que je rentre, je vais faire un live. Attention. Yo les gars, on se reprend. On est en compagnie de Bytrack et Oxatek. Comment allez-vous les gars? Bien. Et là, on a 3 stacks de skill bag, les amis. J'ai acheté 25€ de skill bag. Pour l'épisode d'aujourd'hui, vu que ben, j'aime ça bien ça, avant avoir des avantages et payer pour avoir plus de thèmes, donc vu que c'est un serveur Pitwin, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? La TNT Bytrack. Récupère la TNT. Bref, on va ouvrir des skill bags, mais avant d'ouvrir les skill bags, je vais vous montrer les coordonnées de la base, parce que je suis une petite salope. C'est pas comme ça, c'est ça. Voilà. Oups, là j'ai modifié quelque chose qu'il fallait pas. Oh non. Oh non, je vais me faire taper dessus. 78, 76, c'était bon. Let's go, c'est parti. On a eu un arc en urite. On a eu 4 tickets de téléportation. 16 œufs de creeper, ça c'est bon. 8 graines de cannabis, ça c'est de la merde. 2 bananes, c'est de la merde. 16 TNT, c'est de la merde. 12 random ore. Non, 12 X-blocks d'expérience. 1 marteau, c'est de la merde. La pierre de météorite, c'est de la merde. 8 random ore, c'est bon. C'est quoi? D'autres graines. J'ai eu encore des graines, de l'obsidienne, des 32 échelles en sélénium, encore des graines, 8 fours en urite, une épée de titan, 64 pierres de météorite, une pump sheet, 2 perles, 8 random ore, 64 minerais de météorite, des bouteilles d'XP. Qu'est-ce qu'on a gagné? Je sais pas. D'autres graines de trucs. J'ai gagné quoi encore, gros? J'arrive pas à voir qu'est-ce que je gagne. Ah, je sais pas ce que je gagne. Ah, des fois on irrite encore. J'ai gagné quoi encore? Des bump sheets. De l'obsidienne en Sénat. 16 feuilles de weed. Des bottes en titan. Des bottes en mété! Ouh! Des bottes en mété, les gars. Ça, c'est bon. On a eu quoi d'autre? Des œufs de creep. Des joints, des œufs de creep, des joints, une épée en météore, une banane sheet,
Ok, parfait, parfait, ça c'est pas super les gars, c'est pas super. Let's go. On a eu quoi d'autre? J'ai pas vu. Des random or. Un jouet normal. On a eu quoi d'autre? J'ai pas vu. J'ai pas remarqué ce qu'on avait eu. Des tickets de téléportation. On a eu quoi là? J'ai pas remarqué encore. Des bugs d'XP. J'ai pas encore remarqué ce qu'on avait eu. Des un jouet normal. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas remarqué des random or encore. Non, des bugs d'XP. Et une Pharmax en météore. C'est qui lui? Oh non, là, c'est dans le fuck, là, c'est rock, c'est vous. Ouh là 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 là. Bref, les gars, on a eu pas mal de bons trucs. C'était pas. Ça valait pas, bien sûr, ça valait pas 25€, mais on a quand même eu du stock, on va pas s'en plaindre. À tout de suite. Donc, yop, les gars, on a 48 random ore maintenant. On va essayer d'avoir une météo ou deux, ce serait pas pire, vraiment pas pire en fait. Ce serait plutôt bien en fait, je vais pas vous cacher. Tita, j'ai vu un Tita, deux Tita, ça c'est pas mal. Let's go. Ensuite, je vais vous montrer un truc aussi pour essayer d'avoir des métés assez facilement. Please, une métée, au moins une métée. Là, j'ai quand même dégaspillé 25€ pour ça encore une fois. Please, un autre Tita. Non, je veux la métée, dude. La métée, dude. La métée. Oh, une métée sur le dernier. Nice. On a eu une métée, les gars. Ça fait plaisir. Bon, 48 pour une métée, c'est pas un bon ratio, mais au moins, ça fait une métée en plus. Donc, on se reprend. Comme je vous dis, je vais vous montrer ma technique pour avoir de la météorite assez facilement. À tout de suite. Yo, les gars, donc le champ Netherrealm qui est plein à craquer, les gars. On va casser le champ Netherrealm et on va récolter tout ça, les amis, en espérant qu'on soit assez... Oh, il m'a donné une pioche. Fuck, il est gentil, man. Nice. Donc la pioche, ça va pas péter les trucs au-dessus. Ah, oh, nice, dude. Fait qu'on va faire ça et on va les replanter. Puis on va voir combien de dollars ça va nous donner, les amis. En espérant que ça nous donne quand même pas mal de dollars. Ce serait vraiment intéressant. Sérieux. Un peu, si y a un gars qui a un pillage en plus, ça peut être pas mal aussi. Donc, le fait, j'espère que dernièrement les vidéos sur Skill vous ont fait plaisir, les amis. C'était un plaisir les records avec ma faction. C'est vraiment. Enfin, c'est tous des potes à moi. Je veux dire, on s'entend tous très bien ensemble. Même si on se taquine des fois. J'adore vraiment ça jouer avec eux. C'est vraiment des personnes de type sympathique. Donc, j'aimerais vraiment ça que vous vous laissez un commentaire en disant salut. Juste ça dans le commentaire, ok. Je vais replanter ça. Vu que tu sais, c'est du travail d'équipe, tu sais, on va dire, faut les replanter pour que quelqu'un d'autre puisse les miner. Je vous conseille de miner les fortunes à la fortune. De miner les verrues à la fortune, ça va vous donner, en donner plus. Donc, vous allez avoir plus de chances d'obtenir plus de verrues, en fait. C'est plutôt simple, hein. Vous avez compris? Ok. Je vais faire ça, les amis, puis je vais vous reprendre quand on aura l'inventaire tout plein, dans le fond. Ouais, donc dès que j'ai les matières tout plein pour qu'on invente ça, à tout de suite. Oh, j'ai fini de replanter tous les trucs, il y en a déjà qui ont repoussé, les amis. C'est hallucinant comment ça va vite, les Netherworld. Donc on va aller au workshop, je m'avais dit tout l'inventaire, j'ai tout ça de verrues, on va voir combien que ça va me donner. Tu veux petit don? Oui, go shop verrues. Donc ouais, on va aller par là. Et puis en gros, ouais, on va tester combien ça donne, est-ce que c'est vraiment worth it ou pas. Je sais qu'il y en a qui ont des plus gros champs que moi, là. Moi, si j'ai un petit champ avec ma faction, 1000, ça me donne 3000$, donc c'est vraiment, vraiment worth it. Fait que, oui, on va le prendre avec plaisir, comme on dit, les amis, hein.